Tu fais quoi, Soemi, là? Bah écoute, je continue de kiffer Life. Tu kiffes la Life? Mais là, on a un rendez-vous avec une équipe d'un film exceptionnel. Non, non, on n'a pas terminé, ça continue. Le film s'appelle Flight et la réalisatrice s'appelle Kia Moses, mais également Gabrielle Blackwood. On leur a donné rendez-vous dans le hall de l'espace Miramar, puisqu'elles ont présenté aujourd'hui le film Gabrielle Blackwood and Kia Moses. Hello. Gabrielle Blackwood, Kia Moses. Alors, j'ai envie de savoir plein de choses sur ce film avant de m'envoler, parce que là, pour cette fois, je m'envole. Après, First question, can you tell us, can you speech your movie Flight? Sure. Well, Flight, it's about a little boy from an inner city community in Kingston, Jamaica that dreams of flying to the moon. And at its heart, it's a story about dreams, what fuels them, what stands in the way of them, and the ability to transform those around you and yourself when they take flight. Alors, le film Flight, c'est à propos d'un petit garçon dans un banlieue en Jamaïque. Et le thème du film, c'est de poursuivre ses rêves et aussi de pas s'arrêter, de dépasser les obstacles et d'encourager ceux autour de nous à aborder nos rêves aussi en même temps. C'est ça l'objet. Why is it important for you to be involved in this type of thematic? This theme is very close to our hearts because a lot of the times more stories about violence come out of Jamaica, and that's one truth, but this is another truth because there's so much good in Jamaica as well, and we want to highlight Jamaica as the little island of big dreamers. Ouais, alors le but vraiment c'est de changer un peu l'opinion de la Jamaïque, parce que la plupart des films sont bien, l'impression est que c'est violent là-bas, mais il y a aussi beaucoup de bien qui est fait, et c'est une petite île qui rêve, qui a des grands rêves en fait. Dreams, great ambitions, and I see two women there. Is it a movie with the heart of feminism back in the back? I would say that, well, Flight, we have a female co-director. I'm the cinematographer for Flight, and our producer is also female. So yes, at the helm of the film is woman. I don't think it was necessarily intentional, but we've worked so well together. And it has been such a really strong journey, progressive journey, empowering journey, inspiring journey, not just for us, but for the crew of the film that are back home cheering us on, and the cast, as well as all the filmmakers back home in Jamaica, as well as the audience back home in Jamaica. Ben alors, oui, le thème est un peu encouragé par les femmes. Il y a la coproductrice, et la cinématographe et la réalisatrice qui sont les trois les femmes. C'était pas fait exprès, mais ça a vraiment entouré ce thème de féminisme, et c'est vraiment, ils sont soutenus par non seulement leur équipe, mais aussi tous les scénaristes et les réalisateurs en Jamaïque les supportent et les soutiennent et les encouragent d'être ici à Cannes. Tell me, what is your feeling to be here in this festival in Cannes? We are particularly excited to be included in the festival. This is a Pan-African Film Festival, and we are happy to represent the Caribbean diaspora. So we're pretty excited to be here. I'm not sure if we're the only Caribbean diaspora film here. But yes, we are here to represent the Caribbean. There are lots of stories, as Kim mentioned, there are stories which have been told before, and Jamaica is seen as a land of sun, sea, sand, reggae music, track and field, and perhaps some violence. But yes, we have some inspirational stories to tell, and this is just one of them. Yes, and this is both of our first time in Cannes, Gabrielle's first time in Europe, so we're excited that we were able to travel. You know, we got sponsorship to travel, and we're just so grateful to be here. It's beautiful. And then we got to go from the Caribbean Sea all the way over to the sea by Cannes, so it's amazing. Ben alors, ils sont ici pour représenter les Antilles, et surtout la Jamaïque. Je ne sais pas s'ils sont les seules œuvres qui viennent des Antilles, mais au moins ils sont ici pour représenter les Antilles. Et c'était leur première fois en France, à Cannes. Ils ont eu beaucoup de soutien, ils ont même eu des sponsors. Have you got a message for your audience, for the people who's gonna watch
your movie? Yes, you know, we hope that it inspires everyone to not only go after their dreams, but to nurture the dreams of the youth, particularly in your community or in your family, to really inspire the youth and nurture those dreams, because it's such a fragile moment, and getting into their world, is it literally transforms. So, yes. Le Dicalo Award de la 16e édition du Festival international du film panafricain de Cannes pour la catégorie meilleure fiction, je veux dire court-métrage, est attribué à Flight de Pierre Moussis et Adrien Lourdes. Avec nous, Pierre Moussis, Adrien Lourdes, et Gabriel Blackmull, respectivement productrice et réalisatrice du film Flight. Pierre Moussis, mesdames et messieurs, suivi de Gabriel Blackmull, qui porte fièrement le drapeau jamaïcain. Merci beaucoup. traveled a long way, and we've come representing a lot of people, our entire country, the three inner city youth that starred in this film. And it's amazing that the documentary featured, you know, a little girl that wanted to be an astronaut, because our film was about a Jamaican boy that wanted to fly to the moon. So we're so proud to see how big the Caribbean and, you know, the Pan-African entire group is just dreaming big. And for us, this is a win, not just for, you know, our crew and cast, but our entire island, and we thank you. You know, we just want to thank Jafta Propeller, our sponsors, Alacran and Rubis, and our entire nation that has been tuning in live to see this moment. Thank you so much for allowing us to share positive stories about Jamaica and just Black people around the world. Thank you. For your hospitality, and thank you to all the wonderful filmmakers who are in this category, who are also in the feature-length film category, that showed us your hospitality and your warmth and your kindness. Thank you. Alors, un grand merci au festival qui a, et Gabriel ont voyagé de très loin pour venir ici, et ils représentent non seulement leur film mais leur nation de Jamaïque qui est en train de qui nous regardent en fait sur leur live. Et c'est un grand merci à leur équipe de tournage, tous les participants, tous les membres de l'équipe qui ont assisté à la production de ce film. Un grand merci au festival, aux réalisateurs qui sont présents ici dans la catégorie du court-métrage ainsi que celle du long-métrage, parce qu'on sait tous que c'est un travail très difficile. Ils ont aussi apprécié le parallèle avec le film Les Pépites du Fleuve, qui avait une jeune fille qui avait le rêve de devenir astronaute. Et le film Flight est à propos d'un jeune garçon jamaïcain qui a le rêve d'aller voyager sur la Lune. Alors, un gros merci au festival. Un tonnerre d'applaudissements et d'ovation pour Gabriel Blackwood, ainsi que Kia Moses, originaire de la Jamaïque, avec cette magnifique histoire de ce jeune enfant voulant devenir astronaute qui nous a tous émus particulièrement. Il faut rêver, n'arrête pas, mon cher McClure. Le message est passé, on était honorés de les avoir avec nous. Kia Moses et Gabriel Blackwood, tous deux, elles représentent le film Flight, cinématographeur, director. Congratulations. Amazing. Et puis c'est le woman power aussi. Yes, l'empowerment. Yes, I love it. So congratulations. All the best for the next time. You wish you all the best and have a nice journey in France. Yes. Thank you so much. J'espère que tout comme nous, vous avez kiffé ce moment, parce que voilà, je pense qu'on est en train de partir là déjà. C'est vraiment le vrai flight. Restez love. Il y a encore pas mal de personnes qu'on doit vous présenter, donc laissez-nous atterrir. McClure. Et on se retrouve très vite sur Nougaï TV. J'ai vu que tu aimais bien terminer par un kiss. Yes. Kiss. Voilà. Je le fais moi aussi. À très vite. I don't. Oh, yeah.